Mémoire du sujet effacé. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Niline. En quelle année? Répétez ça. Niline. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Veuillez suivre la numéro 8 jusqu'à votre prochaine affectation. Où suis-je? Avancez, s'il vous plaît. Je me souviens de rien. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Niline. Niline. Tu m'entends? Oui. Ils vont effacer la cervelle, Niline. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Réveillé réseau. Mise en quarantaine provisoire. Merci de patienter. Restez en ligne. La porte passe en dessous. Maintenant. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Sur ta droite, prends-le. Relève-toi, tu dois continuer. Je suis un cauchemar.
Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Et pourquoi pas, ami ? Je suis pas de la tribu, c'est ça ? Êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables ? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Cœur pour Noël.
tu le sais, hein, toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors ? Hé, déjà réussi ! Dans mes bras, ma belle ! Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point ? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange ? Désolée. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre ? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ce modèle, c'est du 100% Nilin. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Disons que, à la Bastille, contrairement à toi, j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon, je laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Johnny! Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum de son coffret. Pas pour la coffrer, non. Typique d'une fouille cervelle. À peine dehors et déjà au turbin. Nilin? Pour toi, David! C'est pour toi, David! Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref. L'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Il tachycarde. Très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant. Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Enfant des nuées, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les mouches me mangent.
Les manques me mouchent. Non, je suis pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize ? Oui. Alors nous avons un ennemi commun. Quel retournement ! Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise ! Pour tous ! Je suis sûre qu'Olga a ses raisons. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroriste. C'est moi ou y a de l'amour dans l'air? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va traquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée ? Non, j'ai mieux que des idées. Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes ? Après, tu ruines mon petit commerce ? Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle ? Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs ! Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas ? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire ? Suis-je si dangereuse ? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. Pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige, de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi R. Sedova. Bonne chasse. Pas de guide prévu ? Désolée, j'ai des affaires familiales à régler de mon côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce ? La plus célèbre architecte de Neo Paris. Elle a en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment ? Ton contact s'appelle Bad Request.
Il t'attend au dernier étage de la rotonde Saint-Michel. Regarde-les, ces privilégiés, barricadés derrière leur petit confort, quand d'autres manquent de tout, à quelques mètres d'eux. Tout le monde ne peut pas naître du bon côté de la barrière. Ce n'est pas leur égoïsme que je condamne, Frangine. C'est leur acharnement à oublier tout ce qui les dérange. Néline, la chasseuse, je suis ton plus grand fan. Merci. J'ai déjà repéré le parcours. C'est pas la première fois que je vais faire mon marché chez les Richards. Je cherche le bureau de l'architecte. Tout est ici. Il y a une heure, j'ai mémorisé le trajet idéal pour éviter les drones de surveillance. Il te suffit de me le prendre. C'est un grand honneur de me faire ouvrir par la meilleure. Ce sera une sorte de dédicace. C'est bon ? Est-ce que t'as tout pris ? Oui. Marche dans mon passé. Une piste des rémanescences pour te faufiler à ton tour entre les drones qui protègent la conforteresse jusqu'à Kaori Sheridan. Écoute, j'ai parsemé le trajet de balises mémolocalisées. Elles t'indiqueront quand activer mes rémanescences. Et merci de pas m'avoir siphonné la tête. À un moment, j'ai cru que t'allais me faire oublier notre rencontre. On s'oublie pas. Salut Néline. Si tout s'est bien passé, on s'est parlé il y a quelques minutes et tu disposes maintenant de ma rémanescence. En répétant ce que j'ai fait, tu pourras te frayer un chemin jusqu'à ta cible. T'es prête ? Allez, je commence. Ton terminal Sensen va projeter mes souvenirs dans l'espace autour de toi. En te servant de ton gant, tu pourras synchroniser leur affichage pour révéler des détails cachés. Voilà, je te laisse synchroniser. On se retrouve de l'autre côté. Hey, je suis de retour. Prêt pour ce petit jeu de piste ? Tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre ? Tant que tu n'entres pas dans leur cône de détection, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de les repérer. Je me suis bricolé un scanner pour les matérialiser sur mon Sensen. Et voilà, on y est. J'espère que tout s'est bien passé et que je ne me parle pas seulement à moi-même. Je retourne à la rotonde pour te donner cette rémanescence. Toi, tu continues vers le bureau de Kaori. Bonne chance. Non, ce n'est pas bon. Je dois reprendre ces mesures. Où en étais-je, déjà ? Le barrage ? Non, le barrage. Étrange. Néline, Edge, tu me reçois. Envoie-moi vite les codes. Ok, je transmets. Parfait. Il ne reste plus qu'à pirater l'unité centrale du barrage Saint-Michel. La main dans le sac. Vous autres héroïstes, ne doutez de rien. Néline, après tant d'années, tu choisis encore le mauvais camp. Est-ce qu'on se connaît ? Tu étais l'une des meilleures chasseuses de souvenirs, ma grande. Voire la meilleure. Mais tu as choisi la mauvaise voie, et regarde où ça t'a mené. Criminel, traqué, la tête pleine de trous. La politique, c'est tellement ringard. Tu gaspilles toujours autant de salive ? Ou c'est seulement quand tu passes à la télé ? Toujours aussi grande gueule, je vais me faire un plaisir de te la rectifier. C'est l'heure du Christmas Show!
assister au marteau du guide. C'est l'heure de goûter au spammer. Ok. Bien joué, ma grande. T'as tenu jusqu'à la dernière partie du spectacle. Tais-toi, Icon. Kid, après toutes ces années, tu persistes à choisir le mauvais camp. Non, pas ici. Pas devant mes fans. Non, attends, on peut discuter. Je peux te donner la... Ce matin, à 10h47, les sirènes ont retenti à travers toute la ville quand le barrage Saint-Michel s'est soudainement ouvert, libérant les milliards de litres d'eau du lac artificiel Saint-Louis sur le paisible quartier Saint-Michel. Comme vous pouvez le voir sur ces images Seine-Seine, la vague gigantesque a tout emporté sur son passage. Difficile d'estimer l'importance de la catastrophe pour l'instant. Mais les autorités de Néo-Paris rapportent déjà des dizaines de morts et plusieurs centaines de disparus. De l'autre côté du barrage, le soudain abaissement du niveau d'eau n'a pas été sans conséquence pour les habitants du slum 404, un quartier réputé pour son agitation sociale. La force Sabre a immédiatement été déployée dans et autour de ce quartier pour prévenir tout risque d'émeute. En effet, l'assèchement du lac Saint-Louis vient de mettre un terme à l'isolement de la forteresse de la Bastille, qui abrite les plus dangereux criminels de Néo-Paris. Restez connectés pour en savoir plus. Grâce au code que j'ai volé à l'architecte, Edge a provoqué une inondation en sabotant le barrage Saint-Michel. D'après lui, c'était une punition appropriée pour ceux qui ne se soucient pas de leur petit confort. Pourquoi lui ai-je obéi? J'aurais pu quitter la ville. M'inventer une nouvelle vie, ailleurs. Mais j'ai préféré redevenir l'ennemi public numéro un. Était-ce dans ma nature? Avons-nous vraiment vengé les exclus du slum 404? Ou bien vont-ils souffrir davantage par ma faute? Seul un militant croit que la fin justifie les moyens. Edge m'a révélé que ma mémoire avait été conservée dans la forteresse de la Bastille depuis ma condamnation. Il faut que j'y retourne pour la récupérer. Le seul moyen d'entrer à la Bastille est de piller la mémoire de Johnny Grintis, l'habitant le plus mystérieux de Slum 404. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment qui il est, ni où il se cache. Ok, Nina. Tommy va t'aider à t'infiltrer dans la Bastille. Retourne le voir à son bar. On n'aurait pas pu faire ça ce matin quand j'y étais?
Non, il fallait d'abord assécher les sous-sols du slum 404. Je vois que tu avais tout prévu. Je viens d'être attaqué par des Leapers. Effrayant, ils disparaissent à volonté. Ça fait bien longtemps que je suis plus étonné par tout ce qui peut sortir de ces tunnels moisis. Je me dépêche de te rejoindre. D'ici là, ouvre bien les yeux. Surveillez ! M'aider ? Tu pourrais rester et m'aider à retaper la baraque. Écoute, j'ai le plus gros poisson à attraper. Je dois trouver Johnny. Comment je pourrais rivaliser avec une galerie humide menant à un nid grouillant de Leapers ? Sans cœur. Désolé pour ton bar, Tommy. Ah. Sois prudente, Nilin. La tempête est sur la ville, ma belle. Ne la laisse pas t'emporter! Johnny? Johnny Grintis? Ok, Johnny, voyons comment tu faisais. Allez, Johnny, me lâche pas maintenant. Immédiatement.
forteresse de la Bastille, la plus célèbre prison d'Europe. Ces patients y sont dépossédés de leurs souvenirs quand ils arrivent. Ils ne leur sont rendus qu'une fois leur peine purgée. Incapables de se souvenir du monde, les prisonniers de la Bastille ne rêvent même plus d'y retourner. Ce modèle d'efficacité perverse est dirigé par Madame, la féroce gouverneure de la Bastille. Régnant sans partage sur les corps et les esprits, elle est la seule à connaître la clé des serveurs de confinement mémoriel. Après mon arrestation, c'est là-bas que j'ai été incarcérée avec les autres erroristes. Maintenant, Edge veut m'y renvoyer, pour libérer nos compagnons et ma mémoire sous séquestre. J'avoue qu'à l'idée d'y retourner et de retrouver qui j'étais, je frémis de joie et de terreur. Seule Madame dispose d'un accès au serveur mémoriel de la Bastille. Trace la garce. Trouve comment les atteindre. Ah, Sergent Vaughan, autant j'apprécie vos compétences, autant j'exige des spécimens d'une qualité minimale. J'ai besoin de candidats en bonne santé, pas de victimes traumatiques. Ouais, c'est ça. Collez-moi un rapport. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Webb sont attendus en salle d'interrogatoire. Eh bien, je rapporterai votre manque de sérieux à Madame. Nous verrons bien ce qu'elle en pense. Sandek, j'ai tellement trop peur, connard. Bien joué, Frangine. Tu possèdes les clés du royaume. La Bastille est à toi. Madame, il y a eu une intrusion dans les vestiaires des gardes. Développez, je vous prie. Le sergent Vaughan a été agressé. Effacement mémoriel total. Et moi, cet intrus, et vite! Doublez les patrouilles. J'active le brain trainer. La seule personne habilitée à jouer avec les mémoires ici, c'est moi! Reste dans la pénombre, Néline. La cellule est envoyée en maintenance. Parfait pour se piquer un roupillon en loose day. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Quaid sont attendus en salle d'interrogatoire. Tu as entendu? Les salles d'interrogatoire ne sont pas loin. Vas-y. Faire découvrir les vraies possibilités des jeux mémoriels.
Quand j'en aurai terminé avec toi, tu croiras m'avoir toujours désiré. Non, jamais. Silence. À terme, tu offriras de donner ta vie pour moi. Mon Dieu, Edge, c'était Badrick West, ils l'ont eu. Te laisse pas distraire. Il sera libéré avec les autres. Suis les rémanescences de Madame jusqu'au serveur mémoriel. Une rémanescence se révèle hostile. Edge, il se passe quelque chose de bizarre là. Edge ne peut rien pour toi, ma petite. La partie est lancée. Et c'est à mon tour de jouer. Nilin, est-ce que je t'ai manqué? Pas mal. Le coup de la rémanescence vérolée. Je savais que tu apprécierais. Je veux récupérer ma mémoire. Tout est là. Il suffit de chercher. Vos petits jeux ne me font pas peur, madame. Ça viendra, ma petite. Ça viendra. J'ai un nouveau jeu. Un jeu spécial. Rien. Pour toi, que dirais-tu d'un cours particulier? Tu n'as rien appris durant ton absence. Jouons à autre chose. Tu ne peux pas me vaincre! Je ne suis pas si facile. Excite, ma chérie. Viens, Nilin. Trouve-moi si tu peux. Tu ne peux pas me forcer à me trahir. Comment oses-tu? Scène. L'école est finie, maîtresse. Déverrouillage global des serveurs de confinement mémoriel. Restauration des espaces de stockage originaux. Tu l'as fait. Tout le monde retrouve leurs souvenirs. La révolution terroriste est en marche. Cellule après cellule, les souvenirs reviennent à ceux à qui ils avaient été volés. Renaissance. Après l'hésitation, vient la colère, qui
combine leur liberté retrouvée à un irrépressible besoin d'action. Enfin s'éveillent les convictions longtemps étouffées, rendues plus fortes par leur captivité. Une humanité reforgée par les privations. Rien n'arrêtera plus nos compagnons. Où sont les souvenirs? Je ne sens rien. T'inquiète pas. S'il y a bien une chose qui fonctionne ici, c'est l'archivage. Ton tour ne va pas tarder. Je sais. Laissez-moi une minute. Appel vers Alexia. L'appel n'aboutit pas. Veuillez laisser un message. Alexia, putain, appelle-moi! Tout Paris va assister à ma cérémonie d'investiture. Tu ne peux pas me laisser tomber. J'ai besoin de toi. Message enregistré. Pute égoïste. J'ai tout donné sans rien demander, Frank. Tu as eu mes meilleures années. Connerie, tu bousilles ma carrière avant qu'elle commence. Parce que je serai pas à ton bras sur la photo? Réveille-toi, Frank. Je ne supporte plus cette mascarade. Alex, si tu franchis cette porte... Tu vas faire quoi? Me descendre? Tu ne tiens même pas debout. Sois sérieux, Frank. Tu n'enlèves même pas le cran de sécurité. Alex! Monsieur, nous arrivons pour vous escorter au tribunal. Nous ne pouvons plus attendre. Salaud! Vous me coffrez pas pour ça, c'était un accident! Je ne vous laisserai pas ce plaisir. Pardon, Alex. Pardonne-moi. D'accord, Frank, tu as gagné, je... Au terme du raid sur la Bastille, je n'étais qu'abattement et déception. Certes, le règne de Madame est terminé, mais mon passé m'a encore échappé. Toujours privée de mes souvenirs, j'étais obligée de suivre les consignes de Edge, mais sans conviction. Et même si les atrocités de la prison m'ont convaincue du bien fondé du combat terroriste, le souvenir de mon crime ronge désormais mon esprit. J'avais poussé un homme au suicide. Qu'ai-je commis d'autre? Pire? Edge, lui, se réjouit de la victoire. Nos compagnons libérés ont repris la lutte contre l'hérésie du Sensen à travers Néo Paris. Maintenant, il veut frapper Memorize au cœur en mettant un terme au projet reconversion. Son plan? Viser la reine. Cilla Carty-Wells, présidente de Memorize. Je dois remixer sa vision du monde. Fausser son passé pour apaiser son cœur meurtri. Alors je m'interroge. Dois-je accepter d'échanger mon âme contre une victoire? Est-ce qu'un crime peut en justifier un autre? L'ancienne Nilin avait sûrement la réponse. Quant à moi... Je n'en sais rien du tout.
L'eau a dévasté le quartier. Ces gens ont tout perdu. À l'aide ! Et c'est notre œuvre. Le monde entier se noie, Frangine. Tu es la seule qui puisse nous lancer une bouée. Edge, tu me parles en énigme. Tu es mon scalpel, Nilin. Une arme contre une planète gorgée de tumeurs. Edge, je suis face au siège de Memorize. L'eau a noyé les premiers étages. J'entre comment, gros malin ? T'as bientôt fini de râler. Il y a un accès réservé sur le toit du bâtiment. Tu vois, j'ai tout prévu. Ah ! Edge ! Ton idée marche pas. Est-ce que tu aurais un plan B ? Je décrypte leur message. Le bâtiment est verrouillé. Tu dois trouver un capitaine Crass et voler ses codes d'accès. Fais gaffe, Frangine. Il est dérangé et dangereux. Ok. Il faut bouger. Où je peux le trouver ? Laisse-moi le temps d'Og localiser sa position. Capitaine Crass, il m'a trouvé. Arrête de jouer avec ce crétin. S'il te prend par surprise... Ouais, ok, j'ai ma dose de commentaires, merci. Vole le code dans sa cervelle d'oiseau et trouve Scylla Quartier Wells. Je crois que j'ai une idée. Reste sur le coup, Frangine. Ce type ne rigole pas. Qui aurait pu croire ça ? D'abord, tu crois vraiment que tu peux m'échapper ? De quoi ? De botter le cul ! Plus seul.
Mon deuxième peut être absolu. Mon troisième a tous ses sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Et mon tout peut franchir la porte. Edge, j'ai trouvé le bureau de cette ordure. Tu sais, cette femme était une bonne personne avant son terrible accident. Je pourrais lui faire oublier? Ça ne restaurerait pas sa beauté. Non, rends-la responsable du drame qui l'a mutilée. Apaise sa rancœur. Elle doit cesser d'en vouloir au monde entier pour ses souffrances. C'est parti. Philippe, vous me dresserez une liste des cadres qui ont quitté leur poste malgré mes instructions. C'est noté. Autre chose ? C'est tout pour l'instant. Espèce de pleutre. Incapable de supporter la moindre souffrance. Vous allez vous jeter sur nos forfaits d'effacement traumatique plus vite que des réfugiés sur un verre d'eau. Vos faiblesses feront ma fortune. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'oublie rien. Ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par New Belleville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax. Jax! Jax! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi! S'il te plaît! C'est vraiment drôle! Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie de Marielle. Charles, je doute que les clients acceptent ton aide. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. J'aimerais savoir faire ça. Tu imagines les possibilités? Tu as On reparle demain, d'accord? Non. Dans l'immédiat, non. J'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. C'est quoi ça? Merde! Le mémo! Gros mot! Gros mot! Ton père va me tuer! Maman? Maman? Nilin? Ça va aller. Ce n'est rien. C'est de ma faute, ma chérie. Oh, ma jambe! Maman! Maman. Ah, Néline ? Ta jambe. Mon cœur. Ce n'était pas de ta faute. J'aurais dû être plus prudente le jour de ton anniversaire. Oh, ma fille. Comme je regrette. Moi aussi, je suis désolée. Ironique, non ? La présidente de Memorize, qui refuse d'oublier le pire jour de sa vie. J'avais tout oublié. Tout oublié.
Madame, l'agent héroriste a été repéré à votre étage. Une phalange vient sécuriser la zone. Merci, Philippe. Je les attends. La vie nous a séparés. Mais tu restes ma fille. Je ne te ferai jamais rien de mal. Maman, je... Vas-y. Phil ! Ça mène sur les toits. Phil ! On ne s'oublie pas. Philippe, dès demain matin, nous réévaluerons la stratégie du projet reconversion. Pour l'instant, rentrez tous chez vous. Retrouvez vos familles. Vous aussi, Philippe. Bien, madame. Merci, madame. Je suis la fille de Scylla Cartier-Wells. Je suis l'héritière oubliée de la dynastie Memorize. Quel genre de blague impossible est-ce? J'ai commencé à reprendre pied, à trouver un sens à mes actes, et me voici de nouveau à la dérive sur une mer d'incertitude. Dans quel jeu tordu Edge m'a-t-il entraîné? Comment pourrais-je encore lui faire confiance? Pourtant, il veut encore me démontrer la justesse de son combat. Alors, une dernière fois, j'accepte de suivre ses instructions. Profondément enfoui sous la Bastille, dit-il, se cachent les secrets honteux de Memorize. La justification du remix d'une mère par sa fille. Une mère que j'avais oubliée. Je dévore mon passé au nom d'un avenir meilleur. Mais je suis fatiguée de courir. Et je veux des réponses. Nélin. Nélin. J'ai pas envie de te parler pour le moment. Badrick West est encore enfermé. Le docteur Sebastian Quaid l'a placé sous un protocole spécial de sécurité. Retrouve-le et libère-le. Que ce soit bien clair, je vais le faire pour Badrick West, pas pour la cause. Docteur, docteur dans ma tête. Bad, on va te sortir de là. Fermeture de cellule avant transfert. Veuillez vous éloigner. Patient non accompagné en zone interdite. Quaid cherche l'origine des Leapers. C'était au début. Mais très vite, il a découvert qu'on pouvait les contrôler grâce au Sensen. Et le projet reconversion est né. Maintenant, ce cinglé injecte sa psyché dans leur mémoire. Et merde. Une armée de Leapers, Quaid disait. Ok, j'y vais. Faut le stopper coûte que coûte. Tu dois retrouver la cellule de Badrick West pour que ses souvenirs te guident jusqu'à Quaid. J'arrive, Bad. Je viens te chercher. Je n'abandonne pas.
le sort qu'il te réservait avant que je te libère. C'est atroce. Il faut arrêter ça. Récupère sa mémoire. C'est le seul moyen. Excuse-moi, frangin. Cette fois, je vais entrer dans ta tête sans ta permission. Tellement vide. Tellement vague. Il ne reste rien de lui. Seulement des souvenirs implantés. Ils ont effacé tout ce qui est antérieur à son enfermement. Le reste ne lui appartient pas. C'est ainsi qu'il procède, ici. Je le ramène avec moi. Tissu mémoriel insuffisant. Transfert du sujet aux fosses d'asepsie. Bad! Je vais faire sortir Bad d'ici. Il n'y a rien à faire, pour le moment. Suis les rémanescences que tu viens de voler. Elles t'amèneront au Dr. Quaid. C'est lui qu'il faut arrêter. Attends, c'était quoi ça? Ah, chasseuse de souvenirs. Juste à temps. Regardez-la, si impatiente d'éteindre ce nouveau siècle des Lumières, si désireuse de nous maintenir dans les ténèbres de l'individualité. Personne ne m'empêchera d'achever mes travaux. Chasseuse de souvenirs, vous ne serez plus là. Non! Ah! Non! Bad, c'est Nilin, tu m'entends? On va te sortir de là. Quaid, il n'est plus dans ma tête. Merci. Oui. Merci, voleuse de mémoire. Merci d'avoir ouvert les portes. Johnny Grintis. Vous n'étiez pas que cobaye ici, n'est-ce pas? Docteur Green. Tellement vide. Tellement vrai. Le passé est une terre inconnue. Je vais révéler ce qu'on vous a fait ici. Tout le monde saura. Nous étions des monstres. Mais au moins nous étions libres. Il voulait faire de nous ses esclaves. Quaid est mort. C'est fini maintenant. Authentification code noir accepté. Initialisation de la séquence d'autodestruction. Oui, c'est fini. Sébastien a payé. C'est ton tour, chasseuse de souvenirs. Puis ce sera le mien. Toute cette horreur sera oubliée dans les flammes.
Le voile opaque de la Bastille s'est levé. J'y vois enfin clair. Memorize, le Sensen, les Leapers, les expérimentations secrètes, tout est lié. J'éprouve le désir de déchirer cette fausse utopie. Je dois trouver le cube de conception au cœur de la mnémopolis de Charles Cartier-Wells. C'est là que la malédiction du Sensen est gardée et nourrie, dans la lumière de cobalt des serveurs centraux de Memorize. Rien ne m'empêchera d'accomplir ma mission. Ni les machines assassines, ni les Leapers délirants, ni ce père dont je ne me souviens pas. Écrase Memorize, que le monde oublie jusqu'au nom des Cartier-Wells. Quand tout sera terminé, toi et moi on ira trinquer à la mémoire de mon David. Merci Olga. Il faut reconcilier. Reconfigure. Ah non! Il faut reconstituer. Non! Bon sang! Ah! Je le savais! Je le savais! Je crois que je savais! Oh, c'était quoi? Cette fille! Je la connais, elle est. Elle est dangereuse! Là, maintenant! Elle. Il faut. Elle, il faut l'arrêter! Qui vous précède. Pas de dropship pour t'aider cette fois, capitaine. La partie est finie, Trace. Thank you.
Memorize est l'avenir de l'humanité. Que l'erreur de Memorize retombe. Que la tête de l'homme se redresse. Que la fin de l'évolution prenne de la hauteur. Conception détectée. Protocole d'urgence engagé. Sésame, ouvre-toi. Le bastion de Charles est accessible. Fonce, Frangine. Papa, devine qui revient à la maison. À l'heure d'affronter mon père, mon histoire demeure criblée de trous, d'ombres jetées sur la toile de ma vie. J'étais Niline, une erroriste, crainte et détestée, capable d'altérer vos souvenirs à ma convenance. J'étais l'enfant choyé des quartiers Wells, famille vénérée par la société qu'ils avaient conçue. Ombre et lumière. C'est à moi de réparer les erreurs commises par les miens, tandis que le chaos menace de tout emporter. Il est temps pour mon père de goûter enfin au poison que nous avons tous bu. Edge me guide. Je suis prête. Le cube de conception, le cœur de la corruption. Cette fois, c'est la bonne. Faut en finir. Parle-moi de mon père, Edge. Charles Cartier-Wells s'est retiré ici pendant des années pour continuer de rêver à son futur idéal. C'est ici qu'H3O a été conçu. H3O ? Le serveur central de Memorize. L'endroit où tous les souvenirs sont stockés. Seul ton père peut y entrer. À toi de jouer. Convainc-le de t'en accorder l'accès. Finissons-en. Je ne vois que des fragments défunts de ma vie. Aucun écho, aucune flamme. Des mémoires mortes. Tu compléteras l'album de famille plus tard. Charles est tout proche. Tu touches au but, Frangine. Le cauchemar va cesser. Il y a forcément une erreur. Quelque part. Je ne comprends pas. Mon père. Son travail et toute sa vie. Et je dois le convaincre de tout détruire. Son travail est devenu l'unique moyen de sauvegarder la vie qu'il affectionnait tant. C'est-à-dire ? Regarde autour de toi. Le pouvoir de retirer les souvenirs douloureux. D'oublier une collision? Mon Dieu, il a fait tout ça pour moi. Et tu es la seule qui puisse le convaincre d'y mettre un terme. Je peux tout arranger. Arranger tout le monde. J'ai seulement besoin de temps. Un peu plus de temps. Fais-lui goûter à son poison. Vas-y. Papa, maman va revenir bientôt? Très bientôt, ma princesse. Maman aime plus Jax.
depuis qu'il a fait une grosse bêtise. Reste tranquille. Je vais tout arranger. Tu peux pas arranger la jambe de maman, c'est trop tard. Oh, je trouverai une solution pour ça aussi. Pour le moment, je vais consoler ma fille préférée. Ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par une nouvelle ville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Jax! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi! S'il te plaît! J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire Coucou, mon mémo sur la thérapie mémorielle? On a fini les courses avec maman. Coucou, ma princesse. Il est cassé. Il bouge pas du tout. Jack s'est cassé pour de bon. Tu vois, ton robot va se soigner tout seul. Néline, arrête. C'est dangereux. Seigneur, qu'ai-je fait? Néline! Néline! Ma fille! Pardonne-moi. Je n'ai jamais eu de don. J'étais juste une bonne élève. Tu étais son expérience, Néline. Brise-le. Maintenant. Oh, Edge. Quel épouvantable gâchis. Stop. Néline. Comment? Oh. Je vois. Tu as remixé le remixeur. C'est brillant. Tu dois tout arrêter. Papa. Les expérimentations. Les abus. Les mensonges. Le monde entier crève d'une overdose de souvenirs frelatés.
les horreurs que j'ai découvertes. Ça semblait parfait. C'était pour toi une bonne idée. Non, Charles. C'était une mauvaise idée, dès la première seconde. Tu as utilisé ta fille comme cobaye. Ta femme aurait fini pareil si je t'avais laissé faire. Tu ne m'as jamais pardonné. Pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Parce que je t'aimais. Et parce que tu demeures un génie. Mais la guerre civile est là, Charles. La haine, la peur, les émeutes, la douleur. Tout ce que tu as toujours voulu éradiquer. C'est notre faute, Charles. Arrête ça! Nous y sommes presque! Il faut couper les relais de flux à la source. Déconnecter H3O. Impossible de forcer ces systèmes de sécurité. Sauf... C'est maintenant! Sauf si toi et moi en autorisons l'accès. Ensemble. Et voilà! C'est pour ça que tu m'as envoyé les remixer. Eux seuls pouvaient fournir l'accès au serveur central. Frangine, à toi de finir le travail maintenant. Protocole d'accès à H3O. Validation vocale. En attente. Memorize. Hominis Evolutio. Scylla, Charles, identité confirmée. Accès au serveur mémoriel autorisé. Tu es une Cartier Wells meilleure et plus forte que moi ou ton père. Je suis fière de toi, ma fille. Tiens, c'est pour toi. Je n'en ai plus besoin de tes souvenirs désormais. Quand tu étais petite, tu venais souvent me rendre visite en bas. Ces souvenirs t'aideront à trouver ton chemin. Merci. Papa. De rien, ma princesse. Nous t'attendrons ici. Me voilà revenu. Là où tout a commencé. Oui. C'est ici que tu m'as donné naissance. Tu ne trouves pas l'expression un peu abusive ? Frangin. C'est une question de point de vue. Quand as-tu compris ? À l'instant. Edge et H3O. Ça m'a paru... une évidence. Je veux vraiment mourir, Lynn. Je ne t'ai pas menti. Qui es-tu ? Vraiment. Je suis Edge. Je suis l'entité née spontanément dans la fosse putride où chacun a pris l'habitude de jeter ses souvenirs trop horribles ou trop douloureux. Je suis H3O. Mes premiers souvenirs sont les larmes d'une fillette. Je suis l'enfant de Memorize et son pire adversaire. Je suis le père des Leapers et leur fossoyeur. Je suis ton ami. Tu dois me tuer. Et si je ne veux pas ? Tu n'as pas le choix, Frangine. Je vais te forcer à m'affronter. Et si tu ne gagnes pas, je te détruirai. J'ai peur. Moi aussi.
casser le jouet préféré de ton papa. Edge! Edge, je ne veux pas me battre contre toi. Je suis H3O. Edge n'était qu'une fraction de ma conscience. Un agent missionné pour te trouver et te ramener ici. Mais toi, tu es une terroriste. Déterminée à mettre un terme au ravage du Sensen. Je suis H3O. Je suis le Sensen. Je suis les Leapers. Achève-nous. Maintenant, détruis ce cube mémoriel noir pour m'empêcher de me souvenir. Un ami a dit un jour, la mémoire d'un seul homme est une forteresse, plus complexe que la plus vaste des cités. Mais nous avons inventé une clé pour cette forteresse. Il n'y a plus aucun secret.
Mon ami s'appelait Edge, né des dérives du Sensen. Il fut le premier à comprendre que nous nous étions égarés. Edge est mort pour nous rappeler qu'il existe des portes intimes qu'il ne faut pas ouvrir. Et que la souffrance, comme les souvenirs douloureux, font partie de la vie. Je m'appelle Nilin Carty-Wells. Je suis une chasseuse de souvenirs. Je peux tout savoir de vous. Je peux vous faire croire à tout. Ça, c'est mon don. Mon héritage. Pour la première fois de ma vie, je me rappelle exactement qui je suis. Hors de ma forteresse, il y a une famille à retrouver et un monde à affronter. Un monde blessé, un monde à apaiser. C'est ce que mon ami m'a appris avant de disparaître. Je n'oublierai jamais. Thank you.
Thank you.